Bote bande ko nganyoso ya monde entier, ba congolais na monde entier. Ngai mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC monde na Genève. Na yeli boso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC monde. Bosenga kibiso des comptes hier de ce monde tout ça qui transparence au bosenga kibiso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC monde TV tout est détaillé là dedans ande kolangai botala ce qui nanga botalité bokende na YouTube sur RDC monde TV bokomona RDC monde et saliba preuve na RDC monde la transparence totale 32 239 23 francs suisses. Na kationa tousan la statistique par pays pour la Sabino, tousan la premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, Transparence, tout le temps à projet, futur, disons pour ça l'amour. RDC monde, 4 Bote nabino bande au balandi nyo sur RDC monde en tout cas bouza ibeli bouza dans l'épisode partout à travers le monde sur RDC monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité bambate bouza ibeli 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 rems momba nebsabino toujours penebsabino toujours que non pendant ce moment il y a confinement il y a les enjeux politiques réseau robetama bouza comprendre que non nazaki na raison bambate bisona bino tobi comme est-ce que lelo meseka mera lala kina makala. Donc ils allaient se quitter, mais c'est quand même l'oranini ni kingi, dit qu'il y a chef de l'État à la lagine makala. Bande au balandi, merci parce que vous êtes belé, ou vous êtes dans la encore une fois de plus. Vous abonnez massivement parce que l'actualité a toujours dominé dans l'arrestation et à M. Fidel Kamere. Alors, le lot, tout comme ça, analyse. On va faire des analyses politiques. Tomé qui un peu côté là et le gonisa goleka entre monsieur Kamere na justice congolaise et puis na président Fati parce que batebele ba sepeli de Kamere bakangie parce que Kamere a cité na makambo oyo ya détournement ya denier public pour le mandat 100 jours ba combattant yé ni c'est pas sepelité pourquoi parce que président avant que makala déjà la site qui voulait tout monde qui déjà comment est-ce que bah tout le monde a coutume de pas piner pour la justement invitation mais c'est peut-être Kamere na kati ya parquet ya matete le lo mais c'est peut-être Kamere a kangami mais classe politique est sur le banini classe politique est sur raisonner n'engue nini classe politique est ça banalise nini Kamere a kangami bien sûr il faut te belo moko Kamere a zana détention provisoire. Oyo na loi pénale congolais, détention provisoire, dire na mouzara 5 jours. Mais le loto la moukabo, tout mon aboué. Premier président ya cour d'appel à suspendre Badosse Nyonso, ti après état d'urgence sanitaire, ou zaki décrété par le président de la République. On se demande. Kamere a kotika la longtemps na kati ya plusieurs makala ou bien Kamere c'est pour quelques jours qui sera libre parce que azana détention moko provisoire. À part ça, jusqu'à présent aussi Kamere est toujours dikab ya chef de l'État parce qu'il n'a pas encore démissionné. Il fallait Kamere kota prison pour a tika lettre na démission ou bien il fallait pendant processus d'invitation na yewana. Il fallait d'abord assurer la démission. Non. Parce que tu veux dire, mais comment est-ce que tu es quand même en prison sans qu'elle démissionne? Mais prison, on a continué à prendre que ce n'est que normal, il ne fallait pas démissionner. Ce n'est que normal, il ne fallait pas démissionner. Donc, je crois bien qu'Amir a eu qu'on démissionne les loups pour le chef de l'État, Atia Moutoumoussous. Ce que Kamere a démissionné, le chef de l'État, maintenant, il a l'obligation de suspendre Vital Kamere comme étant son cap de comme étant son directeur de cabinet. Ma Kamouza n'est bon. Mais, Lelo, analyse Nini, Bahi, il dépasse pas au sala. Analyse Nini, Bahi, INC, pas au sala.
analyse nini ba yi la mouka baza rousala. Yango nesko problème. To yebi dossier 100 jours oyo, l'initiateur c'était monsieur Vital Kamerhe. To yebi ezaki marché de gré à gré. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un gouvernement. Le gouvernement tiba la banane kousala ou to bing akaba affaire courante. Alors, il y a une obligation de engager la République dans le marché à Minene. Il y a un marché, il y a un saute-mouton, il y a une maison préfabriquée, et il y a un qui la présidence, dont la présidence est chapeautée par le président de la République, mais représentée par son directeur de cabinet. Il y a un hôpital caméra, qui est le pour qu'il y ait géré ma campagne. Programme il y a 100 jours, et il y a géré la présidence de la République. Ils allaient gérer le gouvernement. Mais il y a un appui au gouvernement et il y a justement tant gouvernement bimi. Là maintenant, on doit se conformer selon les règles républicaines. Que le gouvernement n'est pas habilité à financer les travaux ou les alliés en Mboka. Il y a un bon qui est entre autres, c'est le Yalungu, le ministre des Finances. Azali n'a pas de problème pour débloquer Mbongo, pour que Mbongo ne soit pas là. C'est là à débloquer Mbongo, à bloquer Mbongo. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, Mbongo, il y a des gens qui sont bons, Moussala et Salami, le long et à Malongati. Parce que les lobes, ils sont vitels comme ils sont innocents. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Vous avez qui, comme gérant, un programme à Sanjou, c'était M. Vitel Kamerhe. Pour preuve, Mbongo et Bimi et Belé dans ma cambo, il y a mouton dans ma maison préfabriquée. Les lots aux arbres, il y a saut mouton. Saut mouton, il faut essayer dans le mois de décembre. Mais les lots, tout ça déjà dans le mois d'avril. Calculez. À part saut mouton en pompage, mais ceci est une amitié. Or, il y avait au moins 9 sites, il y a saut mouton. 9 sites, il y a saut mouton. Na Tchango et Zami Balé. Na boulevard et Zami Balé. Ça me tient à 4. Tchango Mi Balé. Boulevard Mi Balé, ça me tient à 4. Toi, na pompage Moko, ça fait 5. Toi, na 24 Moko, ça fait 6. Fallait Moko, ça na Selemba, ça fait 7. Fallait Moko, ça na Ipen, ça fait 8. Et puis, fallait Moko, ça na Matete, ça fait 9. Mais vous avez compris que jusqu'à présent, au lieu de 9 chantiers à saut mouton, tout ça, je crois, on a 6 chantiers à saut mouton. Et puis parmi les 6 chantiers à saut mouton, il y a un mon condé ici et ici là. Il y a un moudi, ou un pompage. Imaginez. Oh, mon bon, c'est bima. Et belé. Bon, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a pour ne pas citer son nom ici. Mais le lot. Et communique à ma politique, oh, arrestation quand même, les alliés politiques. Est-ce que on doit toujours se baser kaka, sur les plans politiques? Parce que, parce que Kamerhe Azali candidat en 2023, candidat à Kachi en 2023, il fallait que Kamerhe Azali condamné pour Elongolaye, Azazou éligible était. Est-ce qu'il y a une raison? Tu éviter. Mais toujours ça, la banalise. Est-ce que Koukangamé Kamerhe ça pour empêcher la 2023 à la candidate? Pour te présenter, ça toujours candidat. Par rapport à quoi il y a Nairobi? Bandeko Balandi Lelo, to kamwate, soki to moni, divorce entre IDPS et INC. Parce que ça déjà en marche. Lobby, le chef de l'État, il y a une délégation, il y a Bandeko, il y a INC, à Soura la Guinée Bango, toujours pour avoir une coalition Oyo. Kamerhe a joué carte nini. Qui est derrière Kamerhe? Nani a zako soutenir yi? To, présent fois-ci, nde a zako sima yako kangisa Kamerhe ou bien zan denge nini? Mais, présent fois-ci, bagi bien, on doit laisser la justice à la moussa nan mou l'olenge et l'ongoubani. L'olenge et l'ongoubani. Kamerhe, Azabon a détention provisoire. Mais détention provisoire, il changera peu. Ceux qui m'ont dit que non, ils ont fait ou ils ont reproché, ils ont réel, mais bien Kamerhe fera la prison. Kamerhe fera la prison. Mais, tout le monde est bon, côté là, et là, on a dit que l'analyse politique, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
par rapport à l'arrestation de M. Vital Kamerhe, ndenge ni basa ko réagir, ndenge ni basa ko raisonner, ndenge ni bako sala ba analyse na bango. En tout cas, il y a ngonde ko miko sala mwa mbilinga mbilinga lelo. Est-ce que toi comme on appelle lelo séparation, il y a INC na cash na IDPS bakabwani, c'est aussi possible parce que carte changée, ba données changées. Donc makambo ko mine mbilinga mbilinga. Alors lelo soki to to moni musikate to mona kino les lobbies sont des populations qui ont été en souffrance. Bango ont été en souffrance. Tout le monde, monsieur Frédéric Bola, azali bongo conseiller principal de Moïse Katumbi. Monsieur Frédéric Bola, à l'obiboye. Premièrement, en tant que collaborateur immédiat du président Félix Tshisekedi, monsieur Vital Kamerhe a accès à tous les secrets d'État. Des informations insoupçonnées, militaires, etc., pouvant compromettre l'avenir de la RDC. Deuxième, il dit ceci. Sa détention préventive à Makala pour l'humilier est inutilement dangereuse. Là, c'est M. Frédéric Bola. Alors, parlons aussi, il y a des gens qui ont été bien, qui bien, comme le prince Epengi. Prince Epengi a lobby Nini. Il est le directeur du cabinet de M. Tshilombo, président de la République, c'est-à-dire qu'il agit au nom et pour le compte de M. Tshilombo. Tout ce qu'il a pu faire, il a fait sous la bénédiction de M. Félix. Et donc, M. Félix était au parfum de tout. Ce que Kamerhe a pris comme engagement relève Prince Epengi de la coalition Lamuka. Donc, Prince Epengi a dit que non, Kamerhe n'a pas un problème. Il ne fallait pas inquiéter Kamerhe. Mais parlons aussi, il y a les lots relations, il y a cash, IDPS, INC et l'ONIRO Salema. Écoutez ceci. Kamerhe à Makala, la coalition cash menacée de divorce. C'est une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC qui vient de s'ouvrir après les arrestations de différentes personnalités sur le programme de 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est maintenant le tour de son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, qui vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire. Ceci intervient après plus de 5 heures d'interrogation au parquet général près de la cour d'appel de Matete. Il est conduit à la prison centrale de Makala cet après-midi, jusqu'après son audition, affirme les sources concordantes. Une attestation qui fragilisera sans doute la coalition cash constituée de l'IDPS et l'INC. Déjà, la colère monte du côté de l'INC. Une déclaration des membres du parti de Kamerhe au gouvernement est attendue dans les très prochains jours. Certains parleraient même des départs du gouvernement et de la fin de la coalition. Alors, c'est ça aussi. C'est connu de tous que M. Vital Kamerhe est candidat. Là, maintenant, c'est M. Sele Yemba, Oza pour tes paroles, Yéni Sassou Baboué. C'est connu de tous que Vital Kamerhe est candidat à la présidentielle de 2023. Nous savons que Kamerhe est accusé à tort. Ce n'est pas de cette manière qu'on traite un allié et nous fustigeons cette attitude, a-t-il ajouté avant d'insister sur le fait que leur président est emprisonné arbitrairement. Il n'était pas important de nous amener dans pareille humiliation, tout en sachant que les faits reprochés ne sont pas vrais. Saga Seleyemba. Pour rappel, Vital Kamerhe a été emprisonné hier, mercredi, après son audition dans le cadre des enquêtes sur le détournement présumé des fonds alloués dans le programme il y a 100 jours, il y a chef de l'État. Affaire Kamerhe, son parti accuse l'IDPS de vouloir l'écarter de la présidentielle de 2023. Seleyemba, porte-parole de l'Union pour la nation congolaise, n'est pas allé par quatre chemins pour exprimer sa désolation face à ce qu'il qualifie des manœuvres politico-judiciaires orchestrées contre Vital Kamerhe par son allié l'IDPS. C'est tout simplement regrettable. Un homme, c'est le respect de la parole. Nous comprenons que le problème, c'est la colle Nairobi. Il faut déjà éliminer quelqu'un comme Vital Kamerhe. Il faut le rendre inéligible en créant des dossiers autour de sa personne pour le salir. A déploré Seleyemba dans une déclaration à la presse. Selon ses conseillers en matière de santé, Tshisekedi, il épaisse manigance des choses afin d'écarter Kamerhe de la course de 2023. Mandeko Balandi, Yango Wana, Namon Mokuse,
par rapport à l'analyse au bande baï politique au sala vous tout moi papa banalise yo banamboka ba au sala par rapport il y a arrestation il y a monsieur Vital Kamerhe mais bande aussi babiboy est-ce que état de droit ibandi tout est ça ba avanti et bien babi mais ce que j'ai état de droit mais pourquoi Albert Yuma j'ai commis 200 millions jusqu'à présent Yuma n'est pas inquiété. Depuis Chadar à l'Oba, qui est dans ce qui est bon, qui est touché, on va déstabiliser la République. Dossier à Yuma, il est là. Dossier à Yuma, il est là. Albert à Yuma, j'ai commis dossier là. Alors, il y a quand même des fonds. Il y a un peu ça là. Parce que Albert à Yuma, dossier est là. Bon, il y a quand même bon, il est là. Parce que Yuma est protégé par Kabila. 200 millions, j'ai commis. Là, il y a bien monté. Et tant d'autres. Pourquoi seulement Baron Bazin inquiété seulement Kamerhe? Est-ce que ça politique, est-ce que j'ai politique au Kamerhe va jouer un disque pour affecter aussi la population? Est-ce que j'ai politique était Kamerhe à côté prison, on a quatre prison, on se casse bien, on se fait en abat. Est-ce que j'ai politique était bon total à grande négro comme moi sur qui la bande au Balandi? Nous on fait qu'observer, nous on fait que les analyses, mais tous on a besoin de justice à prendre bâton en sous. Bato, bah, bambon, on attend Kabila, bazawapi. Mais c'est le président, nous avons besoin de Babylon, on a mis sur le pays, on a signé les marchés. Et nous avons à Kati, il y a Bato, il y a Bazako, il y a bambon à l'État. Il y a un ministre, pour ne pas citer son nom, a détourné bambon à l'État plus de 32 millions de dollars. Un ministre, il y a un peu calamité pour Kangaï, pour n'a qu'il y a Bazako, il y a bambon à l'État. Bon, on va paisible citoyen. Il a passé. Au lieu de Sunga Congo, pendant la période de la COVID-19, nous avons profité pour Bahib. Il y a des enjeux politiques qui ont été cessés pendant le temps où il y a le coronavirus. Congolais, Fungola Misu. Congolais, Zala éveillé, Congolais, Zala Maïli. Sinon, tu es un c'est déjà le moment où jamais. Si tu as été en place aux Zali, sans bela pour le Congo, pour te Congo, pour le Congo échanger. Merci beaucoup, Nabino Nyos, pour t'aider sur les partout à travers le monde. Restez pour essayer de ce monde. Bon s'abonner massivement si vous avez ce monde, bon liker, bon partager, bon commenter l'émission d'Abisso pour pouvoir aussi télécharger nos émissions. Merci à la présente RDC Monde. A titre de rappel, bientôt là, tout la Sabine, on descend sur le terrain Yabadan au RDC Monde de Pessagui, na homme, na foyer handicapé dans la commune de Kinshasa. On est avec l'initiateur, l'honorable Tambo Eliezer. Tout ça qui n'a pas tout là, c'est l'image de la calamité justement pour cette émission. Où mon dernier ni, et les manes, les clans qui peuvent dire ni. Et le CMO, le CDBAPO, finalement, à travers le monde, meilleure association pour le moment. Là, il n'y a pas de conquérants. En tout cas, boya, beaucoup de temps, dans le monde, tout ensemble, tout au Congo, ensemble, tout changer, beaucoup au Congo, pour célébrer très, 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 très mal à moi. Restez branchés, merci à Willingimi, merci à Jérôme Miguel, merci à Bronson Luzolo, merci à tout le monde, au Boulanda Rabisso. C'était vraiment ce moment la présentation. N'en a bientôt, vous êtes à la prochaine.